Tenez, on va faire une petite vidéo pour vous montrer les capacités de l'appareil photo du Honor 6X. Donc niveau vidéo et photo, vous avez l'appareil photo tout simplement, que vous pouvez déclencher d'ailleurs en appuyant 3 fois sur le bouton volume moins. Ouais, vous voyez ma tronche. Donc je vais vous montrer, vous avez déjà au choix un mode embellissement. Donc voilà, que voici. Qui donne des photos pas trop mal, hein. Je vais vous mettre les photos sur le test. Vous voyez, ça lisse un peu la peau et c'est vraiment pas trop mal. Voilà, vous pouvez évidemment le désactiver, ce mode embellissement. Vous avez bien sûr des modes gris neutre, gris. Si vous avez envie de faire un peu noir et blanc, faire un peu poser en mode noir et blanc, vraiment sympa. Hop, je pense que presque tous les appareils ont ça de nos jours. On va désactiver le filtre. Je sais pas comment le désactiver du coup. Ensuite, on va changer d'appareil photo, voilà, qui est un 12 mégapixels, vraiment cool. On a donc tous ces modes photo pro avec les réglages, vidéo pro, HDR, donc HDR pour faire des photos en HDR. Et donc HDR, la différence c'est que voilà, vous avez vu, le ciel est gris. Bon, je suis désolé, en Martinique il fait pas tout le temps beau, les détails sont censés être pris partout, mais c'est vraiment pas trop mal. On a aussi le mode, on a un mode panoramique qui marche pas trop mal. Vous commencez là par exemple, et là vous tournez l'appareil photo jusque là où vous voulez, voilà. Et l'appareil vous crée votre panoramique tout simplement. Donc ça donne une photo là de ce genre-là, qui on voit pas les raccords. Donc ça marche plutôt bien là encore. Alors encore, c'est une bonne surprise en fait au final. On a le mode time lapse, donc on va faire rapidement. Là, hop, ça va prendre une photo toutes les secondes. Donc si vous avez eu envie de prendre en photo un événement lent ou un décollage d'avion par exemple, c'est plutôt pratique. Donc toutes les secondes, paf, ça prend une photo. Sachant que si je l'arrête, on peut toujours configurer en glissant de la droite vers la gauche. Ça prend un peu de temps et time lapse. On peut toujours configurer voilà, la résolution, les étiquettes GPS. Ah, pas trop de configuration sur le mode timelapse, je ne savais pas. Mais voilà, pour enlever le mode, on fait ça. Et bien sûr, on a le mode que tout le monde attend, le mode grande ouverture, qui est en dessous du bouton arrêter. Bon, attends, on va essayer de faire comme ça. Non plus, je peux pas. Je vais essayer de pas arrêter la vidéo en cliquant dessus. Voilà, parfait. Donc là, c'est le mode grande ouverture. Alors pour le mode grande ouverture, je suis obligé de vous faire ça, par exemple. Voilà, on va prendre la poignée de la porte de la voiture et vous avez vu le flou derrière, il y a du bokeh en arrière-plan. Donc du coup, j'ai ma porte qui est nette et j'ai l'arrière-plan qui est flou. Et ce qui est magique, c'est que en mettant le mode hop, ouverture, je peux redire là où je veux mettre mon focus. Je veux mettre là, je veux le mettre là, je veux le mettre là. Donc là, du coup, j'ai l'arrière-plan qui est flou. Et je peux même régler mon ouverture. Donc là, à 16, évidemment, tout est net. Et si je referme à 0.5, le minimum, j'ai que la zone où j'ai cliqué qui est nette. Et je trouve que l'effet est vraiment pas trop mal. Alors je vois bien que c'est un traitement logiciel, mais par exemple pour Instagram, ça c'est juste nickel, c'est juste la vie, c'est juste magnifique. Vous avez entendu ma porte que j'ai fermée en me disant quand quelqu'un fonce sur ma voiture, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On retourne. Du coup, on va se remettre l'appareil photo frontal, c'est quand même sympa. Et j'aurais bien aimé l'avoir en couleur du coup. Original, voilà. Donc du coup, voilà, c'était SuzuCube. Je voulais vous présenter un peu les fonctionnalités photo de ce Honor 6X, qui est vraiment, vraiment pour un téléphone bas de gamme. Je vous dis, pour 150€ sur GearBest, je vois pas trop qu'est-ce qu'il y a de mieux. Mais il doit y avoir des téléphones mieux, moi-même. Vous allez me dire ça en commentaire. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku et à bientôt sur otakugame.fr.